tes yeux, tes chagrins, tes sourires, ta façon de frémir juste avant de t'endormir. J'aime. Il y avait deux mots clés, contrôle, release. Donc c'était l'idée de travailler les textures pour qu'elles soient vraiment compressées sur elles-mêmes, trouver des traitements, soit des traitements chimiques qui rendent le tissu comme ça, soit de le faire avec des techniques de couture, ou alors d'avoir au contraire quelque chose de très très lâche, très ample et relâché quoi. Je voulais quelque chose de long, je voulais travailler le noir, je voulais en fait que l'impact soit sur le travail de texture que plutôt sur la couleur. Le cuir aussi, où on a fait des traitements qui sont en fait, c'est du cuir qui est brûlé et qui est réversible. C'était l'idée de prendre des plis et des choses froissées qui sont normalement faites d'une façon naturelle, mais là, de nous le contrôler. Et pour la robe, on a utilisé donc 6 km de fil pour la faire. Tu as tout oublié déjà. Tu emportes le tout avec toi au sommet de l'Himalaya. J'aime bien entendre couler ton bain le matin. L'eau qui fait des splashes, tu te fâches, tu me lâches, tu te casses la bagage. So at Dior today is a very urban feel, very street feel. There's a play on masculine and feminine energy. So we went with these quite strong blocked eyes, one in a khaki with a shimmer on the lid, like a really kind of earthy khaki feel. And then we just did a really kind of crazy blue latex eye that is really shocking and striking. And like I said, very kind of street and city-ish and strong. Le point de départ, c'était kaki et épaule. Voilà, les deux mots d'ordre. Non, j'avais envie de faire une espèce de warrior des villes en m'inspirant quand même de l'univers militaire, mais je pense qu'il est juste évoqué, c'est plutôt dans les déclinaisons de couleurs et peut-être les matières, le côté un peu rustique de certaines laines, mais qu'à chaque fois j'ai associé avec du lurex ou de la paillette, d'avoir quand même une warrior un peu glamour, d'amener un peu de féminité à des choses un peu rudes et surtout d'amener de l'attitude au travers de pas mal de vestes épaulées. Moi j'adore les vestes, j'adore travailler là-dessus, j'avais envie vraiment de travailler autour de l'épaule parce que j'aime les petites têtes de femmes qui émergent de choses un peu costauds, un peu masculines. Isn't it the hardest thing to confront these matters? All the things that tempering that we never get. And who can decide? Quotidien un peu spécial, un quotidien un peu privé, le plaisir de soi. Pour soi. En même temps, on a joué un peu avec l'idée de la rose, dans le sens que ça vient de citation de Gertrude Stein, quand elle a dit « a rose is a rose is a rose ». Il y avait pas mal de petits dessins, plutôt masculins, qu'on a détourné avec des petites roses, et pas mal de textures de vêtements qui sont vraiment très veloutées et doux à toucher, l'intérieur, l'extérieur. La déclaration pour l'amour de soi-même. Thank you.